30 jours, 30 comics, épisode 18, action! Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Oui. Doctor Strange par Straczynski. Oui. Allez, Murdoch, attaque. Allez! Alors, je profite de ma pause du midi pour vous parler de Doctor Strange, le début et la fin. J'ai acheté ce bouquin juste après avoir vu le film, pour un petit peu voir quelles étaient les différences entre ses origines comics et la version cinéma. Je suis pas déçu parce que ça nous apporte beaucoup plus de précision. J'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal basés sur ce comics pour faire le film. Straczynski toujours au top, hein, au niveau des dialogues et au niveau de l'évolution de l'histoire. C'est vrai que Doctor Strange, quand on débute un petit peu à l'aventure, c'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui est très très compétent dans son métier et qui a un côté très dur, hein, dans la vie. C'est aussi un petit pervers. Bon voilà, c'est assez fidèle à ce que Cumberbatch a renvoyé dans le movie. Après, ce qui est vachement bien, c'est de voir tout son enseignement. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Il a envie de lâcher plusieurs fois. Et puis au final, il se rend compte que bon, il y a des trucs un peu qui le dépassent. Genre les mecs comme ça, là, leur tête prennent feu. Donc il se dit, ouais, il y a peut-être un bug dans la matrice, je vais peut-être me bouger le cul. Les Avengers sont là pour contrer les menaces physiques. Lui, ça dépasse un peu tout ça, et ça se voit. Voilà, ça se voit bien. C'est quand même vachement bien dessiné, vachement bien foutu. Et ça donne envie de lire la suite. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la suite. Donc si vous savez quelle est la suite de ce bouquin, dites-le moi dans les commentaires, parce que je me ferai un plaisir de l'acheter. Voilà, un bon petit comics pour démarrer sur un personnage complexe. Résumer aussi simplement et aussi efficacement un personnage qui est très puissant et très complexe, et c'est un exercice difficile, réussi avec brio, je vous le conseille. Et surtout, voilà. Gordon, je te laisse conclure cette vidéo. Très bien, allez, casse-toi, va bosser. Vas-y. Ah, voilà, je récupère ma place. Bah écoutez, merci Murdoch déjà, un petit peu quand même. Et on se retrouve demain pour l'épisode 19. Je sais pas encore de quoi ça va parler, mais je vous fais à tous des bisous.